Sois pas du genre chochotte à m'effrayer comme un moineau. À peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro. D'inquiet, de voyant extra lucide, plongé dans sa boule de cristal, je vois le ténèbre, le vide. Aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je ne serais, disons, pas franchement d'un optimisme forcené. Bêtement vu les lendemains qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellés au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny. Oui, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, de monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches, sur leur tas d'or, se marrent et gouvernent en sous-main. Quand les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi un plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir. Où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir, c'est d'abord dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent les chines. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sur les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui présentent inéluctables ventes gonflées par la faim. C'est taper son poing sur la table, c'est montrer son cul au sinistre qui dirige les continents. C'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir. C'est le respect toujours de tout ce qui palpite et qui vit. Ça vient de loin, des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ce n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sous les furouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, que nous tenons dans nos mains, fragile et forte comme la vie, c'est tout ce qui nous fait humains. L'espoir.